Hugo, fais un ASMR avec les Mentos. Voilà. Oh, le bruit que ça fait sur le micro, j'imagine un gros. Voilà. Nartax qui commente. Putain! Ouf! Oh la chasse! J'ai vomi deux fois aujourd'hui! J'ai la diarrhée! Du coup, on va faire un nouveau challenge. Ça s'appellera les Ravioli Rocket League. Je vais essayer de manger en même temps des raviolis. Oh putain! Ah putain! On m'envoie des messages. Apparemment, Morka qui a dit. Bouyeg! Très bien, je suis désormais tout seul. Très bien. Je pense que je vais pas rester longtemps. Voilà. Bon bah du coup je vais quitter. Hein. Salut Voké! Dites bonsoir Voké! Le petit Voké là, il est là pour aider aussi à travailler ensemble avec Nartax pour travailler modo. S'il y a des engueulades. Ouais, c'est ça, moi, je lui casse la gueule à l'autre modo. Non, je veux pas perdre mes deux modos, chérie. 10 euros sur Nartax. On se battra après ma diarrhée. Allez, ok, 1v1 sur Dust. Attends une minute, j'ai la chiasse. Non, Rutus, le à ton avantage, tu le feras glisser. On dirait que je suis un boss de Isaac. Le caca, c'est pas sympa. Le caca, c'est délicieux. Mais ça me plaît. Vous êtes dégoûtant, Paul. Mais ça me plaît. Mais ça me plaît. Oui, bonsoir. Comment ça va, Hugo? Bah, très bien, et toi, Croca? Ça va, ça va. Donc, si vous voulez, voici Croca. Peut-être le prochain. Respecte-moi. T'as pas entendu ce que je viens de dire au début? Je croyais que tu te disais, oh, mais ça va, Croca, ça va bien encore. Ah, j'ai ignoré. Eh, Vic, ramène-toi. Hein. Vic, bouge tes fesses. Ah, je lance des calls comme ça. Ah, ok, Vic, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Sauf que quand t'étais mauvais à la base, bah tu... Ah ça y est, Hugo Loris au but. Ah. Pardon. Oh là là. Ah, dommage pour la ligne droite. Dommage que le PC de Marco fonde. On sent la carte mère qui fait oui. À chaque fois qu'on marque un but, le PC de Marco explose autant. Vas-y, PC de Marco, résiste. Prouve que tu existes. Prouve que t'es pas mort. Je retente le truc. Le joueur Morka qui a tenté de... Oh, Morka! Oh putain! Morka! Pourquoi tu glisses? T'as mis du savon sous tes pneus! Mais ouais, mais première fois que tu dois être en train de passer... Oh là là, cette coopération de folie! Il y a même pas eu de pas de décisif, je tiens à dire. Je vois pas où est la coop. Il y a juste Marco par terre et moi au-dessus. Je t'ai poussé! Je t'ai poussé avec mes mains! Moi j'ai regardé l'action, donc à ce moment-là... Au passage, si vous voulez un doc à votre barbe mitzvah... Il commence à parler de... Putain! Ah bah Marco qui a craché! Je le savais, il était trop... Ah, pas ça Zinedine! Pas ça Zinedine! L'ordinateur qui n'a pas tenu par... Pas ça le PC de Marco, pas ça! Pas après tout ce que tu as fait! Pas ça Zinedine! Pas après tout ce que tu as fait! Bon bah ce sera un échec hein! On va marquer! Vite marque Hugo! Putain mais ça. Je suis très loin! Tu me dis ça à la dernière seconde alors qu'elle est en l'air! De toute façon si on a perdu c'est de la faute à Marco! Oh mais mon gros cas. Oh presque. Oh mais non, voilà. Et hey, ça c'est de la faute à Marco hein, moi je l'ai dit bien. C'est quoi cette vieille on dirait que t'as fait de la peinture avec Le fond? Ouais. Le fond blanc. On l'appelle Bob Ross. Bob Ross c'est le seul mec qui arrive quand même à faire des vues après être mort. Hein. Bah normal, c'est des reupload. Ça c'est affreux ce que je viens de dire. Ah Bob Ross de l'au-delà, il est en train de lâcher 2-3 peintures. Et il a plus de viewers et de dons que moi. Je suis sur Bob Ross de l'au-delà, tu sais, il frotte son pinceau contre le mur pendant tout le long de sa journée. Pourquoi il y a un fantôme qui a lâché un dab quand t'as marqué? C'est moi. Mais ton beau fils de chien, mais qu'est-ce que tu fais? Gros fils de chien! Mais qu'est-ce que je fais? Gros fils de chien! Tu me fais insulter! Laisse ta communauté être le héros de ce live. Parce que c'est la semaine live. Et tout le monde peut devenir un héros. Pour devenir un héros, follow Hugo. Et fais des dons. Et là, 500 euros quoi? Pour l'instant, on est à 250 euros de dons pour le PC de Marco. Oh putain. La prochaine étape, ce sera les 5000. On jouera, on fera un let's play live exclusif sur le jeu Star Trek. À 5000 abonnés. Oh non.
Et pourtant, t'as l'air heureux au début, et après, quand j'ai entendu la suite de la phrase. Bah, j'ai entendu Star Trek, je me suis dit ah! Mais puis je me suis rappelé le jeu quoi. Voilà, j'ai failli la taper. Merci. Oh, cette coopération! Je sais pas si j'aurais pu l'avoir quand même. Oh! Oh! Oh, tu marques en plus. Oh! L'amitié! Oh, il va marquer là. Mais non. Ces bâtards, ils sont peut-être plus amis que nous, on est amis. Ils ont encore plus d'amitié qu'eux, on l'espère. Oh, fais chier. Ils sont des vrais amis, trois en notre amitié. Ah, fais chier. Pas trop y croire. Oh, je nous ai sauvés. On a sauvé notre amitié. Vas-y, go, crois en notre amitié. Ah merde. Ouais. Yes, t'as cru en notre amitié. Toi, ça, c'est notre amitié qui a revient en flèche. Si j'avais proposé de m'épouser, Hugo. Mais Hugo, dis-moi. Avant, tu n'avais pas acheté GTA sur PC ? Ah mais oui, c'est vrai. Ouais, on va tenter de faire un stunt montage. Par exemple, cette rambarde, je vais la taper et peut-être m'envoler. C'est ça, en fait. Oh ! D'accord. Une petite pack flip. Oh là 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 ! Merde, l'arrivée. Ouh ! Merde, le poteau. Qu'est-ce que c'est cette merde comparée à la mienne ? Tu veux pas tester ? Moi, je peux aller dans tout terrain. Merde, de... j'ai fait une cascade et j'ai attiré debout. Et moi j'ai réussi une roue arrière. Toi, est-ce que tu pourras en faire autant? Ouais, regarde, attends. Déjà, il y a un panneau qui. Attends, une minute, il y a un panneau qui m'a bloqué. Attends, je recommence. Regarde, tu es prêt, Vic? Tu es prêt? Je suis prêt. Aïe. Voilà, ça s'est pété la gueule. Ça fait le malin, mais ça se pète la gueule. Je vais te tuer. Ah non, il faut que je m'échappe. Vite. Je vais t'attraper. Fais gaffe à tes pneus. Ah les pneus, tu les as touchés. Les gars, je les ai même pas touchés, ils s'est pété la gueule. C'est la manette. Tu peux venir aussi voir directement chez moi, il y a une chambre d'amis Hugo. C'est à Fouras. Et oui, c'est pas Fouras. Je tiens à poser. Oui. Déjà, tu balances mon adresse, bon, ça me gêne pas. Mais de deux, tu dis Fouras, fils de pute. Non, j'ai dit Fouras. Ouais, moi j'ai entendu Hugo. Oui, mais j'ai dit Fouras la première, et après la seconde, j'ai dit Fouras pour pas dire. Pour pas dire que les gens, il faut pas dire comme ça. Ah bon, ça va là. Et ça, c'est ta faute, Hugo. Hein. Putain. Ce qu'on est en train de vivre, c'est de ta faute. Bon, ça va. Tu m'as déstabilisé dans ma conduite. Ah, la première personne, c'est horrible. J'ouvre le coffre, Hugo. Attention. Ah, putain, en plus, t'as une animation où tu ouvres le coffre, mais. Oh, j'ai un revolver en or. Putain, le salaud. J'ai tiré en plein cœur. Ça, c'est pour tout à l'heure, connard. Ya. 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 Allez. Sur ce, bonne soirée. Standing there by my side, and now you gon' be there for the last ride.